vous savez que sur le plan juridique, j'avais interdit toute une grande partie du centre de Nantes pour protéger les commerces. Cet hypercentre a pu vivre sa vie normalement, et c'est bien. Mais tout notre quartier historique de l'île Feydeau est devenu finalement un théâtre d'opération pour des gens préparés, équipés, armés, pour casser, pour attaquer les forces de l'ordre, et qui ont finalement produit ces scènes de violence urbaine, des véritables scènes d'émeutes et des dégâts considérables dont vous avez pu mesurer l'importance. Donc on a bien des gens qui sont dans une logique de guérilla urbaine, et il y a eu, vous le savez, une dizaine de blessés au sens d'une présentation à l'hôpital dans les forces de l'ordre, et 120 fonctionnaires ou militaires de la gendarmerie qui déclarent des contusions. Ça a été très dur pour eux. Voilà. Le dispositif que nous avons mis en place était donc totalement justifié. Il y a un peu plus d'un an, lors de la tentative d'expulsion d'octobre 2012, le préfet annonçait « Si la République ne peut pas reprendre la zone, alors il faut s'inquiéter pour la République. » Non Christian, mardi 16 octobre, premier jour de l'opération César, tout n'était pas terminé comme tu l'as fanfaronné dans tes médias. Nous sommes toujours là, et avec le majeur bien haut. Alors oui, inquiétez-vous pour votre République. Elle pue la mort. En se retrouvant à lutter quotidiennement sur la zone, nous expérimentons une vie collective complexe. Chaque question est épineuse et incite à aller de l'avant. Notre force se situe dans le croisement et la confrontation des mondes, des individus ou des groupes qui n'auraient jamais dû se retrouver dans l'ordre normalisé des choses. De là, naissent d'infinies possibilités. Nous ne croyons pas aux élections, et nous affirmons le fait que nous pouvons changer le monde. C'est une idée difficile à développer, à partager, mais c'est aussi essentiel. Nous organisons, nous fabriquons nos vies, loin des urnes. Nous brisons un ordre des choses qui veut chacun, chacune seule fesse à l'État. L'aménagement du territoire, c'est l'aménagement des vies. C'est arracher des populations à leurs histoires, à leurs pratiques, les déraciner de leurs terres, de leurs rues, de leurs quartiers. C'est expertiser, isoler, contrôler, rentabiliser chaque espace.
Ainsi, les experts du génie écologique veulent rationaliser les écosystèmes, leur donner une valeur marchande, en comptabilisant les biens et services rendus par la nature. Derrière leurs blabla environnementaux, leur nous, on protège la planète, ils élargissent la privatisation du vivant. Leur logique gestionnaire n'est pas la nôtre. Les lieux de nos vies ne sont pas compensables, nous ne sommes pas des espèces déplaçables. Ils veulent foutre la vie dans des cases, de force. Mais les nôtres ne rentreront jamais dans leur cadre. Pendant ce temps-là, malgré des millions dépensés, les travaux n'ont pas commencé. Leurs débuts de chantier ont été sabotés, et Biotope n'ose plus venir finir ses études préliminaires sur le terrain. Des boîtes collaboratrices ont eu des problèmes. L'occupation grandissante des terres, l'intensification de nos liens, rendent leur chantier chaque jour plus difficile à commencer. Le blocage de la région en cas d'attaque ou de départ des travaux s'organise. Des moments de résistance collective sur place sont aussi prévus. Regardez le site internet zad.nadir.org pour les détails. Pour finir, les Taïageo, Vinci sont bien dans la merde, bien enlisés. Tant mieux. Quoi qu'il en soit, nous nous restons là. Nous ne faisons pas qu'occuper la zone, nous y vivons. Votre présence aujourd'hui donne de la force à cette lutte. Notre solidarité va enterrer ce projet. Demain, nous espérons que la complicité créée permettra bien plus encore. Dans le bocage comme ailleurs, résistance et sabotage. Aujourd'hui un chiffon, de quoi retourner toutes les tombes.
Celui qui fait du rap sans prendre position, efface ta mémoire de la rébellion. Le sang migratoire qui pète les pions. Un petit blanc du genre fuck la nation. Celles et ceux morts pour leurs idéaux. Aux rédacteuses de l'ombre qui de détresse raconte pression à la mémoire de leur chant mutant. Surtout pas avec une Louis Vuitton. Pour vendre du rêve, loisir, un spectacle. Et c'est notre revendication de rapper pour toutes les copains. Et si dans les textes y'a féminisation, c'est reconnaître notre oppression qui dans le rap est une expression que l'on retrouve dans chaque situation. C'est avant tout un message politique anti-FN et anti-flic. Et ouais ma gueule que tu tiques, je suis pas un pionnier anti-étatique. C'est une expression de la mémoire qui s'écrit depuis nos squats comme un devoir devant l'histoire qui est gravé à chacun de leur soir au bout de l'effet du ministère. L'histoire des vaincus sous ses pieds de terre. Nos prisonniers seraient amers au nom de toutes les vies qu'ils effacèrent. La génération insurrection te fait savoir qu'elle sort de ses gonds quand elle lit aujourd'hui un chiffon de quoi retourner toutes les tombes. Léger comme une plume en première ligne, ressenti amer comme première matière. La tumeur s'étend d'après la rumeur, des signes que trace le vol de l'oiseau mort. Bienvenue Al en zone libre, parier sur les barrières, les barrières ou des actes de barbarie. Ces émeutiers sont des professionnels du regroupement dans ce type de situation, dans les villes où ça peut se produire. Il y en a toute une partie qui provient de l'occupation illégale de Notre-Dame-des-Landes, mais certainement renforcée par des gens venus parfois de loin. Dans ce type de manifestation, il y a des réseaux qui appellent à la rescousse. Ces professionnels de la guérilla urbaine, on appelle parfois les Black Blocs. Et nous voyons bien que ceux que nous avions hier n'en étaient pas à leur coup d'essai. Et que certaines manœuvres de leur part étaient très organisées. Qu'ils étaient très résolus, qu'ils avaient réfléchi à l'avance sur les points qu'ils pouvaient attaquer et qu'ils sont venus avec des équipements, des provisions de projectiles et des matériaux incendiaires qui leur ont permis de faire durer la confrontation tout ce temps-là. Nous avons eu hier une démonstration voulue par les organisateurs de la capacité de résistance physique et de résistance armée que rencontreraient les premiers engins de chantier le jour où il s'aventurerait sur la ZAD, c'est clair. Ça a été dit explicitement la veille. Il faut que le gouvernement comprenne qu'il a le choix entre abandonner ou imposer le projet par la force militaire. Ça a été le sens du rassemblement de ces 400 tracteurs. On nous a dit ces 400 tracteurs, vous les retrouverez sur la ZAD si vous y allez. Et nous avons eu l'irruption dans Nantes de la violence quotidienne qui règne sur cette zone et qui est le fait de ces occupants illégaux. L'antidote dans la trachée à terre, à l'instant à terme et renaissance à terme. Casé à temps, la rage de la bête en fait. On vient gâcher la fête, traque pont à la nique musique. L'antidote, une idée de film, des fils du béton qui défilent dans des champs de mélodies tristes. Arracheuse du bitume, des pitures, des pics qui tuent en verre d'ouverture. Les masses médias ont trouvé du rap qui vote, bientôt ils vont trouver le P qui rote. Après une série de soins intensifs, j'ai pu renouer avec le négatif. LED, califra, frites et spif, comment rester vif d'esprit. Subversif sur l'île comme sur le terrain, parcours la métropole en sous-marin. Il faudrait pas que le rap dépasse des rap. Ah bah c'est sûr, c'est dur, citoyen assassin. Allez, on va.
Allez. J'ai envie de faire de l'arrestation. Une voûte de DJs dans l'oreille, une cinquième colonne pour la note taverne. Yes, qui est-ce qui s'y colle? Dites donc, mais qui est-ce qui cite ces zéro gravité cités orbite? Une demi-portion de porc si on est sage, dormir dans les nids de passage, dessert des bois, PCRS et desserré. Quoi? Ta cuisine aujourd'hui? Une pique et un toc, désolé d'offusquer des trucs, lâcher du lest, douaner sur la tête des flics, se divertir de projectiles, fini le scalpel poétique, colérique, politique et polémique, attentif à la quatrième dimension, à la matrice en décrochant dans la cabine, imagine Luke Skywalker et Lucky Luke, qui se lâche sur une instru de Lucky Slice, cherche pas l'atelier, n'est pas dans le Zan News, c'est l'alerte rouge ou un peu plus à gauche, vas-y bouge, plus, pire, poil, poule, bug, feedback de put, ébloui par le pouvoir des innocents, sur le smart grid en scred connexion, le virus en expansion exponentielle, acide sans sas, c'est sous le sodium, cherche pas l'atelier, n'est pas dans le Zad News, c'est l'alerte rouge et un peu plus à gauche, vas-y bouge, plus, pire, poil, poule, bug, feedback de foot, ébloui par le pouvoir des innocents, sur le smart grid en stress connexion, le virus en expansion exponentielle, esprit silice, la fibre optique Excel. Ce soir marque une sorte de seconde, de lui aujourd'hui un chiffon, de quoi retourner toutes leurs tombes.
Ah ouais, ils sont attaqués, ils attendent que ça.